ومربي تمكنت معه عدة فرق عالمية من التألق، وفي المغرب اعتمد على شباب وصغار فريق الرجاء وذهب معهم إلى حصول على عدة ألقاب. كلمة الترحاب ألقاها الدكتور محمد طلال مدير المعهد العالي للصحافة الذهبي للبرازيل. هذا الرجل يجب أن لا ننساه لأنه رجل استثنائي ورجل بكل المقاييس، له أخلاق وله اعتبارات جعلت من كرة القدم المغربية كرة منافسة حقيقية. Je tiens en premier à vous remercier d'avoir répondu présent et à remercier plus particulièrement nos invités que nous avons l'honneur d'accueillir avec joie parmi nous aujourd'hui. Je nomme bien entendu M. Oscar Filoni, nous permettra de mener à bien ce débat autour de la thématique portant sur le rôle de l'entraîneur étranger au sein de clubs de football marocain. Et pour ce faire, nous pouvons trouver le meilleur exemple pour illustrer cela que notre cher Oscar Filoni. Je ne sais pas comment présenter les choses. Aujourd'hui, on a invité Lino justement pour nous parler d'Oscar, présenter Oscar. Vous savez que Lino, il est impliqué dans le football mondial. Il connaît très bien le football italien, ça vous le savez. Il connaît le football espagnol, il connaît le football d'Amérique latine, d'Argentine. Je te laisse la parole pour le dire. Donc bienvenue à Lino, étant donné que moi je suis fils de la maison, un Ibn Darb. Alors d'abord, moi j'ai pris un petit peu à contre-pied, un petit peu comme le Barça hier avec l'AS Roma, parce que je ne savais pas qu'il y avait un thème. Et j'ai entendu dire qu'il y a un thème, donc c'est l'apport de l'entraîneur étranger dans le football marocain. Yek. Alors d'abord, ce que je voulais dire, d'abord ça me fait plaisir. À chaque fois que j'ai des jeunes devant moi, ça me fait plaisir. Présenter Oscar, je ne vais pas vous présenter. D'abord, je serais incapable de vous dire tout ce qu'il a gagné, quand est-ce qu'il a commencé, etc., etc. Mais je sais qu'avec Oscar, j'ai dû faire deux Lino Café. Hein ? Pas un. Parce qu'en deux heures, on n'a pas pu survoler tout ce qu'il a fait dans sa vie. Oscar, d'abord je remercie Lino parce que c'est à l'initiative de Lino Bacco qu'Oscar est consultant aujourd'hui dans Culture Foot. Moi, il y a toujours un mot qui m'étonne. Au-delà de la modestie, l'humilité, toute l'expérience qu'il a, on en parlait tout à l'heure avec Lino. On est jeune, moi je suis plus proche de vous que d'Oscar et de Lino, mais avec toute cette expérience et tout ça, ce monsieur-là, avec tout ce qu'il a gagné, il peut être consultant là où il veut. Ça c'est une chose magnifique. On a parlé de simplicité, culture, et on ne peut pas commencer sans remercier toute cette jeunesse qui est ici avec ses supérieurs. Vous êtes en train de grandir dans une carrière magnifique. Et je suis sûr que, autant que soit M. Lino Bacco, M. Belait et M. Hicham, ils seront d'accord. Si la jeunesse ne progresse pas, parce que j'ai un mot à dire de Radio Mars, je ne me suis venu et jamais dans ma vie à rendre des compliments gratuits à personne. Je ne le fais même pas avec mon père. ولقد سلم أحمد طلال الدرع للمدرب السيد أوسكار فيلوني تعبيرا عن حب المعهد العالي للصحافة لهذا الرجل العملاق.